Chapitre 6. Marchandises endommagées. En traversant les ruines d'un champ de bataille, Amicia, Hugo et Lucas ont croisé deux jeunes pillards qui se sont servis d'eux pour échapper aux soldats anglais. Seul Lucas a réussi à s'enfuir, tandis qu'Amicia et Hugo ont été capturés par les anglais. Hey, debout là-dedans. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère ? Hé, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payée ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris ? Millie, l'autre c'est Arthur. Tout ça c'est votre faute. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voix, tu veux ? C'est chiant, prime à fronde. T'en as pas besoin. Viens. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Bah là, il y a une petite bouteille qui pourrait faire éclater. Là, il pourrait tirer dans la charrette. Et peut-être ça ferait tomber le contenu. Ou là, il pourrait tirer sur les trucs, les petits paniers là, mais... Bah, disons que ça l'éloignerait un peu plus, donc... À tester. Les cruches là-bas ? Les cruches, ah, c'est, je croyais que c'était des paniers en oseille. La charrette, très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi ? À me coller au train. Alors, c'est ton frère ? C'est quoi ? On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage, pourtant juré. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, sois patiente. Sortie foutu rat. On doit se frayer un chemin. Valois ou quoi ? Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. C'est un fléau divin. Et c'est que le début. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Le roi Édouard doit rapatrier nos troupes. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il y en a un qui s'est réveillé. Oh, c'était rien. Hola, hola. Bon, pas besoin d'inquiéter les autres. Bah non, rentre chez toi. Voilà. Bébé, j'ai eu chaud sur ce coup. D'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc. Oh, ils s'entraînent sur un mort. Ils vont être dingue. C'est ça la guerre. Voilà comment on enseigne la discipline. Hey, respect
passé. Tu as tué deux chevaliers français hier. Ouais, et c'était pas dur. C'est qu'on la charge sans réfléchir. Juste pour la gloire. On y va. Les héros et leur armure qui brillent. Suffit de trouver la brèche et hop! C'est les meilleures cibles. Fais attention. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Ah ouais. Va faire un tour là-dehors. Je pense qu'on doit aller vers là-bas. On les repousse avec si des torches, Terra. On doit les attirer, ce sera avec ça. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. Les diables. Ah, ah, ah. Tu te délires comme toi. On y va, à gauche. Fais attention, tu connais les ordres. C'était rien. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie de rançon aussi élevé? Des enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Et ça... pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Je peux pas ouvrir ça. Ce coffre, alors. J'ai vu. De la poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Mélie peut crocheter des éléments. Ah ouais? Je veux bien, s'il te plaît. Amuse-toi, bien joué. Allez, j'arrive. Bon après, j'ai tout, hein. Silence, Mélie, pas par là, ils sont trop nombreux. Attention aux bouteilles. À manquer de pain et de vin. Chaque victoire. Oh, t'es folle. Ben quoi? La moitié c'est de... passé, non? De justesse. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Hé, hey, Amicia, où elle est? Ta sœur. Je crois qu'on va la garder avec nous, pas vrai, pas. Les gars? Calme. Non, non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. La fille. Une chose rare, c'est la fille. Hein? Quoi, la fille? Mais allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes. Et restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. Peut-être un coup des Valois. Profitons-en. Hugo, je suis là. Amicia, ça va? Les temps. Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. En charge. Enfin. Amicia a retrouvé son équipement. Hugo, je dois décrocher sa cage. Attends, parce qu'il y a pas mal de ressources là depuis tout à l'heure que je vois traîner par terre.
Il y en a un là-bas en plus, là, il est en train de briller, je sais pas si vous voyez. Enfin bon, pas le temps. Heureusement qu'ils sont occupés. Crochette-moi ça, vas-y. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Je veux des hommes du côté du Grand Paresse. Amicia. Oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon? On peut se tirer? Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Les tentes! Fouillez-moi ces tentes! Ok, faut qu'on aille au fond du camp, hein. C'est ça. Soldats, au rapport. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous, et faites attention aux tentes. Attends, lui. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Il va nous voir, lui. Ah, attends, je peux pas faire de la poudre dodo, là. Voilà. Attendez, hein. C'est un jeu, il faut prendre son temps, hein. Je l'ai déjà dit, mais... Je le rappelle, au cas où il y en a qui sont derrière leur écran qui disent « Mais vas-y, Joe, bordel !» Non, je vais attendre que lui refasse voilà, son petit trajet jusqu'au bout et je vais endormir celui-là. Maintenant. Oui, je suis sûr. J'en ai assez de fuir. Bah attends. Tiens, hop. Et je crois que lui... Je crois que lui, je vais le tuer. Hein. Ça ira plus vite, hein. Désolé, mais... Ah merde, attends. C'était quoi? Allez. Voilà. Là, il y a un archer. Vous en voulez encore? J'en ai encore. Merde. Il y a quelqu'un qui a réagi là-bas. Lui, il faut l'attirer là-bas, derrière. Genre là. Pas fou. J'ai entendu un truc. C'est bon, il se déplace. What, 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 what? Rien.
quelqu'un d'autre qui regardait ? Ah ouais, y a un mec juste en face aussi qui regarde. Comme par hasard. Mince. Ouais, rien du tout. Je peux y aller maintenant. C'était parfait, là il avait le dos tourné. C'est pas grave. On retente le coup du pot. Encore. Il y a quelque chose. Je vais voir ça. Ah ouais, c'est chaud mon gars. Comment je fais là ? Rien. On se fout encore de moi. Clairement. Clairement, je suis foutu. Quoi ? Laissez-nous en paix ! C'était... Moi ? Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi ? Oh 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 oh. Nickel. J'ai été obligé, hein. Ben c'est bon, hein. On fait quoi, là? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas tellement d'issue. Ah, si. Oula! Oh non, pas lui. Je paye une rançon pour les enfants de Rune. Et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Mélie, fuyez! Garde devant! Élimine-les, Amicia! Ils arrivent! Hey, l'Inquisition! Elle a pillé son frère! Tiens! Rien! On a rien fait! Tiens! Il tient, Hugo! On a en une avant. Sortie! Remets-toi! L'échec ne ralentis pas, Hugo! Pas toléré. Suis Mélie! Vite, vite! Allez, go, go, go! Amicia, je pas le prendre. Arrête de courir! Vite, Amicia! Livre-nous, Hugo! Oui, j'arrive! Ils vont entrer! On va où? On va où? Temps. Par là! Vite! Par là! Je te suis! C'est fermé! Accrochette-moi ça, là! Je surveille, je surveille! C'est bon! C'est bon! Ah! C'était quoi? C'était rien! On y va ou pas? Moi je propose qu'on y aille, hein! Peut-être que je me le fasse celui-là! Tiens! C'est bon! On y va! Voilà! Faut me demander, hein! Pas que je casse ça. Vas-y, dépêche. Allez. Enfoncez cette porte. C'est un ordre. Oula, oula, oula. Allez-y, je m'en occupe. Quoi ? Il n'y a pas de place pour vous. Allez, hop. Hop. Laissez-nous tranquille. Oh, c'est bon.